Joe, je m'appelle Masto Grégory, donc entraîneur à France Natation depuis le mois de novembre sur la catégorie des jeunes. Je m'appelle Julio, j'ai 9 ans. Je m'appelle Maëlan, j'ai 13 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 12 ans. Je nage à Foz depuis 4 ans. Clément Pépineau, j'ai 13 ans et ça fait 5 ans que je nage à Foz. Donc voilà, le but du stage là, pour les enfants, c'est déjà une cohésion de groupe avant tout. Ça leur fait du bien et c'est surtout de les faire nager deux fois par jour tout en faisant des sports co tout à côté pour leur faire voir un petit peu autre chose que la natation. On a fait le cours de natation le matin, puis on est allé manger à la cantine. On a fait des activités dans un gymnase à Foz et on est retourné s'entraîner le soir. Ça le sort un peu des bassins, ça leur fait du bien. Et le but voilà, de les faire nager autant, c'est quand même de les faire progresser pour préparer les prochaines échéances qui vont arriver entre le mois d'avril et le mois de juin. Bien, mais il y a plus dur. Dur. Mais après, il faut s'entraîner dur pour réussir. C'est un mal pour un bien. Bah, je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'on peut s'améliorer et c'est bien. J'avais 11 enfants, entre 9 ans et 14 ans. Donc après, bon, ben, on adapte parce que pas tout le monde a le même niveau, donc j'adapte un petit peu sur la façon d'entraîner. On a un peu mal aux bras et aux jambes, mais sinon on tient l'entraînement quand même. Ah, on nage. On nage tout le temps. Mais de nager, en plus, on est bien dans l'eau. Ça fait du bien d'être dans l'eau. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Je les sens un peu fatigués, donc c'était le but quand même. Qu'ils ressortent du stage en étant fatigués, en ayant mal aux bras, mais voilà. C'est pas le but aussi de les fracasser trop. Là, ils ont pris plaisir, c'est l'essentiel. C'est déjà un sport très difficile, donc c'est déjà bien ce qu'ils ont fait. De s'investir deux fois par jour dans l'eau, plus les sports co à côté. Pour des enfants, c'est très bien. Il faut toujours aller plus haut, toujours.